Salut à tous, c'est Ralga pour une vidéo spéciale Noël. Donc comme vous avez pu voir dans le générique, c'est un Regarde dans le Rétro car c'est un jeu Saturn. Donc une console qu'on n'a pas encore fait en vidéo. Donc pour vous mettre dans le contexte, on cherchait un jeu vidéo adapté de Noël pour faire une vidéo spéciale. Et on n'en a pas trouvé des masses à part des adaptations genre les Gremlins ou Maman j'ai raté l'avion. Et puis on est tombé sur ça. Alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bien c'est le jeu, alors Segata Sanshirō Shinken Yugi, qui est en fait une adaptation du personnage qu'il y avait dans les pubs pour la Sega Saturn au Japon. C'est très précis. Donc si j'attends un peu, normalement il y a une pub qui se lance, donc on va attendre un peu. Voilà. Oh, Sonic R, avec ses musiques pas du tout adaptées à un jeu de course. Bref, donc comme vous pouvez le voir, donc, ce sont des pubs qui vantent la Sega Saturn blanche qui a été disponible au Japon en 97-98. Donc les pubs datent de cette période-là et le jeu également. Donc c'est un judoka qui punit tous ceux qui ne jouent pas à la Saturn. Voilà, là il y avait cette méchante bande de jeunes qui voulaient faire du baseball et non, jouer à la Saturn. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec Noël? Eh bien, c'est que ce jeu, c'est un party game. Alors, il me semble que c'est la rubrique 1. Voilà, c'est un party game avec un jeu de un mini-jeu pour Noël que je vais vous faire donc en vidéo. Alors, c'est le 3 si je dis pas de bêtises. Hop. Donc nous avons droit à un magnifique discours en japonais et comme je ne parle pas un mot de cette langue, je ne sais pas ce qu'il raconte. Mais vous avez une magnifique image du héros qui est en fait un acteur assez connu au Japon qui a joué dans une série Super Sentai à la Power Rangers, je sais plus c'est quoi, et qui a été réutilisé pour ça. Hop, ça charge. Voilà, allez, c'est parti. Donc, vous pouvez le voir, nous avons donc Segata Sanshirō, déguisé en Père Noël, qui doit jeter les cadeaux dans la cheminée. Et ça paraît pas comme ça, mais le jeu est assez dur, hein, parce que bon, faut éviter évidemment les maisons et les oiseaux. Mais surtout, il y a un scrolling de droite à gauche. Et nous, pauvres occidentaux, c'est assez perturbant. C'est bête, hein, mais... Puis aussi, accessoirement, le fait que Segata Sanshirō soit collé à droite et que ces trucs partent en diagonale, du coup, ça nous laisse parfois très peu de temps pour pouvoir atteindre les cheminées. Par exemple, j'en ai raté une, là. Hop, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Hop. Donc sinon il y a une douzaine de mini-jeux, certains anecdotiques, genre des trucs de mémoire avec des cartes, y a un jeu de versus totalement imbitable, il y a un niveau de plateforme qui est assez cool. Enfin globalement le jeu est oscille entre le relativement correct, genre ça c'est quand même relativement correct, hein, et le vraiment moche. Voilà. Oh, c'est la première fois que je vais aussi loin. Hop, hop, hop. Non, faut que je... Oh, quelle grosse animation. Donc, comme... bah voilà, je viens de me choper un game over. Hop. Alors, faut que je trouve la bonne option. Alors, c'est la première, c'est recommencer. La deuxième, c'est quitter. Donc on va quitter. J'ai battu mon record sur le troisième mini-jeu. Hop. Et nous avons une nouvelle pub de Segata Sanshirō. Écoutez-moi cette musique épique. Avec sa Sega Saturn géante. Segata Sanshirō. Donc voilà, je vais juste vous faire ce mini-jeu parce que si je les fais tous, on en a pour 20 minutes, voire plus. Donc au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, enfin joyeuse fête, tout ça, tout ça. Donc vous nous retrouverez évidemment pas plus tard que demain en fait, je crois. Ou au moins la semaine prochaine, et évidemment l'année prochaine. Donc sur ce, portez-vous bien, ciao!